Patricia a breveté en fait un aérateur de vin, elle s'est formée aussi en œnologie et elle est épicurienne. Elle anime également des réseaux, donc des animations de clubs d'œnologie. Et puis voilà, on peut dire qu'elle est aussi jurée de dégustation. On peut dire que c'est comme le journalisme, c'est-à-dire cet aérateur, on brasse du vent. Voilà, c'est tout à fait ça, avec deux effets physiques par contre, par rapport au journalisme. Très bien, j'ai bien compris. Alors, il y a un moment donné, il faut peut-être passer aux travaux pratiques, ma chère Christine. Sûr. Alors, présentez-nous cette... D'abord, c'est une jolie boîte, dites-moi. Oui, le packaging fait partie donc de l'aérateur et puis de la marque, hein, Vinitem, qui veut dire en latin « offrir à boire du vin à quelqu'un ». Donc, voilà. Alors, Vinitem. Voilà, tout à fait, Vinitem. Je pourrais même dire « Amen ». Aussi, oui, puisqu'on va toucher le vin. Voilà, alors... Donc voilà. On va donc voir cette boîte. Voilà, ça se présente en trois pièces. Donc là, c'était vraiment pour une question d'hygiène, puisque ça passe au lave-vaisselle. C'est quoi, du verre, non? Non, c'est en polymère cristallin. Donc c'est ce qu'on utilise pour l'optique et l'art de la table. Et c'est ce qui permet justement qu'il soit incassable et puis et surtout de pouvoir mettre le petit plot hélicoïdal à l'intérieur, puisque c'est un matériau qui est compressible. Et donc voilà, là vous avez deux effets physiques. Vous avez un effet Coriolis où les molécules de vin se détachent lentement. Coriolis. Où les molécules de vin se détachent lentement. Pour arriver ici, vous avez des entrées d'air qui font un effet Venturi, donc un mélange air-vin. Alors j'ai vu que vous aviez une troisième place dans ce boîtier. La troisième pièce, c'est tout simplement une fois qu'on s'est servi de l'aérateur, puisqu'on le pose sur une carafe ou sur un verre. Et donc ça permet après de reposer tout simplement et de ne pas tâcher. Il y a un petit quelque chose en dessous pour éviter que la goutte ne tache la nappe blanche. Exactement. De la grand-mère. Tout à fait. Quelle différence y a-t-il entre votre aérateur et une carafe qui permet de carafer le vin? J'allais dire de caresser, mais c'est un peu pareil. Ah, oui, bah là, tout simplement, ça permet de gagner une heure de temps, puisque la carafe, on pose, et puis c'est vrai que le vin s'oxygène petit à petit, alors que là, c'est directement, et on peut le consommer immédiatement. Action. Action. Je vous sers tout de suite. Oh, vous êtes bien bonne. Alors là, bon, ce sont des petits verres, mais autrement, normalement, c'est plutôt... Oui, on peut prendre des petits ou des grands godets. Voilà, ou alors directement en carafe si vous avez plusieurs convives. Et là, on voit bien les petites molécules de... Les petites bulles d'oxygène. Oui, voilà, les petites bulles qui permettent d'oxygéner le vin. Voilà, donc là, je vous ai servi un tout petit peu. Les puristes ne seraient pas tentés de dire « ça casse la structure du vin ». Pas du tout, c'est à chacun son rythme. De toute façon, si on a le temps de l'aérer, c'est mieux. Mais si on n'a pas le temps, on utilise l'aérateur. Vinitem ! Merci. Parfait. Où trouve-t-on Vinitem ? Bah, tout simplement, on peut commander sur le site de vinitem.fr. Sinon, il y a certains cavistes, restaurants qui ont également l'aérateur, mais autrement, c'est tout simple pour l'instant. Alors, il est fabriqué en France, il faut bien préciser, et notamment dans la Loire. Et sur le site, il est à 79 euros, mais autrement, je le fais également un petit peu de partout, donc une association... et ça permet justement... C'est la même adresse, vinitem.fr? Oui, sinon on me contacte et puis on m'envoie un petit mail ou on m'appelle tout simplement. Et je leur fournis tous les renseignements. Merci, à bientôt pour les prochaines innovations. Merci. Parce que vous connaissant, je crois qu'il y a des choses qui vont bientôt arriver. Merci et à bientôt. Au revoir.